Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Et nous retrouvons donc Arsenal contre le Milan AC. Grégoire Marbouton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tunès. Composition d'équipe. Bellerin, Arsenal qui peut construire, longue ouverture en direction du poteau de corner. Pilia, belle passe lobée sur l'aile, quelle fait du bien cette interception. Qui est le premier sur ce ballon? Faut frapper là! La passe était parfaite, c'est du gâchis! Mais quelle vista là! Quelle vision du jeu! Et ce petit ballon piqué en profondeur! La faute! D'allonger le jeu. Voilà Ventura. Pilia. Il y a un peu d'espace. Rodriguez. C'était difficile comme geste. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. La longue ouverture sur l'aile, c'est centré. Oui, quel bon marquage. Vraiment, la défense joue bien le coup là. Le centre était parfaitement ajusté. Ça manque un peu de solution. Wilshere. Arsenal qui cherche l'ouverture. Excellent repli défensif. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en direct. La faute est sifflée. C'était visiblement la faute de trop pour l'arbitre. Peut-être un coup à jouer. L'écart
jeu sur l'aile. Ce ballon devant le Mkhitaryan. Oh, s'il avait eu la réussite, c'était magnifique. Très jolie bicyclette, c'était sans doute la meilleure option pour lui, mais c'est jamais facile à réaliser. Pilia, qui peut se projeter, il joue en profondeur. C'est bien fait ça. Rodriguez, et c'est bien par-dessus. Il rejoue derrière lui. Bonaventura. Oh, quel bel arrêt. Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. De la tête, le but pour le Milan AC. Très bon corner, et évidemment il en a profité. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Le Milan AC qui a donc ouvert le score. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Il choisit la profondeur. L'assistant lève son drapeau. C'était bien essayé ça. Une passe en profondeur et un attaquant lancé, ça peut battre n'importe quelle défense. Arsenal semble surtout concentré sur l'aspect défensif. C'est une occasion ça. C'est joué long. C'est joué long vers le pocket corner. Non, il est signalé hors jeu. C'est juste, il est quasiment sur la même ligne. Cassini. Wilshere. Arsenal va sans doute chercher à égaliser avant la pause. Je peux pas tout la suite. Vers le poteau de corner. Il est tout seul. Mesut Özil. Il s'échappe côté droit. C'est bien ce qu'il fait là. Bien joué ça. Özil, le centre. La casette. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Le Milan AC qui essaye de construire. Mkhitaryan. Ce ballon bien dosé. Le
le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ah, ça a manqué d'envie dans cette première mi-temps. On va peut-être voir des changements pour la deuxième période. Chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Et la tête, et il marque. Juste au retour des vestiaires pour bien débuter cette seconde période. Il était surveillé de près, mais ça ne l'a pas empêché de marquer. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Tenter en force. Et voici Aubameyang. Il est passé. Pierre-Emerick Aubameyang en retrait. Wilshere. Cette égalisation en début de deuxième période les a vraiment remis dans le match. Hey, bonne intervention. Rodriguez, c'est un peu brouillon en ce moment. En retrait pour repartir proprement. Il joue en profondeur et il jaillit pour prendre ce ballon. Il choisit la profondeur. Bonne intervention. Bonaventura. Des joueurs frais, il en reste deux changements. L'arbitre signale une faute. On passe en retrait vers son défenseur. Voilà Ventura. Le bon dribble. Jouer long vers le poteau de corner. La passe interceptée. Ramsey. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Ça ne passera pas. La récupération sans se livrer, c'est bien joué. Ramsey. Oh, il a bien vu son coéquipier.
Ramsey, qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. On dirait qu'ils essaient de le distancer. Aubameyang ! Voici un bon sang. La frappe ! C'est repoussé. Rodriguez. Le Milan AC qui cherche l'étincelle. Belle passe lobée sur l'aile. La touche à venir. Fuzo qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Abatté. Fuzo. Il glisse le ballon en profondeur. Abatté. Le ballon dans la surface. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Arsenal qui a le contrôle de l'entrejeu. Repiqué dans l'axe peut-être. Ce sera un centre. La casette ! Oh, mais quel dommage, quel gâchis, mais il n'arrive pas. Il est passé. Bon jaillissement. Les deux équipes vont faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Sur l'aile, il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. L'interception au bon moment. Long ballon dans le sens du jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va se planter seul face au gardien. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, l'interception! Granit Xhaka qui choisit le côté. Oh, le coup de tête! Eh oui, le but! C'était l'une des dernières actions du match et c'est sans doute le but de la victoire. Il ne faut jamais laisser la moindre opportunité aux joueurs de cette classe. Une erreur et c'est le but. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Ils ont complètement renversé la situation, mais il va falloir tenir maintenant. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Sincèrement, il mérite tous les superlatifs après un tel scénario. Rester calme dans un tel match et renverser la situation. Quel match ils ont réalisé. Tout s'est joué dans les derniers instants de cette rencontre. C'était vraiment une belle soirée d'arène, un beau match, on s'est régalé. On se retrouve très vite.